Ils comprennent alors que les vitres du bus ont retenu l'onde de choc pendant quelques millièmes de seconde, réduisant ainsi l'effet de souffle de l'explosion et ses conséquences sur les passants. On aurait pu penser que les vitres se seraient brisées immédiatement, mais en fait, non. Elles ont réagi comme une surface hermétique pendant un très bref instant. Juste assez pour repousser la pression à l'intérieur. Mais l'explosion n'a pas épargné entièrement les personnes à l'extérieur. C'est le moment qui suit l'onde de choc qui constitue pour eux le danger mortel. Quand le bus commence à se désintégrer. D'énormes parties des fenêtres se détachent.